Appelle-moi, tu as fait quelque chose. Pardon, quand vous allez taguer tout le monde, partagez le live, mes gens. Partagez le direct, mes gens. Nicole, que tu ailles là, chien, envoyez les cœurs. Partagez le direct, mes gens. Bipez tout le monde. Nicole, que tu ailles là, chien, à nous. Viens soutenir le diamant bleu. Ma mère d'amour. Partagez le direct. C'est un petit live. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le live, mes gens. Envoyez les cœurs, partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Joséphine Le Grand, bonjour. Mireille, Mireille, bonjour. Partagez le live, mes gens. Merci beaucoup. Partageons le live, mes gens. Nicole vient de dire la vérité. Partagez le direct. Et bien soutenir le diamant bleu. Si quelqu'un peut épingler le PayPal de ma pépé, si quelqu'un peut me mettre le PayPal, j'épingle le PayPal des. Si quelqu'un peut écrire le PayPal, j'épingle le PayPal. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Si y a une personne qui peut épingler le PayPal, non, épingle. Comme ça, Nicole Kechava met ça. Comme ça, je vais épingler ça. S'il y a quelqu'un qui peut épingler le PayPal, quelqu'un peut écrire le PayPal là-bas, j'épingle ça. S'il y a quelqu'un qui peut épingler le PayPal comme ça, s'il y a quelqu'un qui peut épingler le PayPal, s'il y a une personne qui peut écrire le PayPal, non, comme ça, moi, j'épingle ça sur ma page. S'il y a quelqu'un qui peut épingler le PayPal, il y a une personne qui peut épingler le PayPal, les gens. Épingler le PayPal. Écrivez le lien du PayPal de ma pépé. Comme ça, j'épingle ça. Pendant que je suis en direct, les femmes pouvaient cotiser. Hum? Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui a le lien du PayPal. Allez, épingle le lien du PayPal, non. On met ici en attendant que les gens arrivent. Si quelqu'un peut épingler le lien du PayPal, comme ça, je mets là-bas. Il faut envoyer les cœurs. Il faut envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le live. Bipez tout le monde. Partagez le live, mes gens. Bipez tout le monde. Envoyez les cœurs. Partagez le direct. Ok. Ok, ciao. Partagez le live, mes gens. Partagez le live. Christian, s'il te plaît. Oui, dis, si quelqu'un peut me mettre le lien du PayPal. Si quelqu'un peut me mettre le lien du PayPal, là, non. Comme ça, j'épingle ce PayPal. Avant qu'on commence, on framponne. Ouais, que Facebook, les gens. Avant qu'on framponne, on framponne ce qu'on peut framponner. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs.
Bipez tout le monde. Partagez le live. Nicole, que tu es là, Chianos. Je suis venu soutenir le diamant bleu. Partageons le direct. Ok. Merci. Choupi Vanessa, mets le lien du PayPal. Attends un peu, je vais épingler ça. Merci, Choupi Vanessa. Merci beaucoup. C'est toi, tu vas bien? Voilà. Choupi Vanessa fait. On a mis le lien du PayPal de Maman Pépé. Bon. Pendant qu'on framponne, ici là, pendant que je framponne, je dis les vérités. Ici, vous cotisez 5-10 euros pour soutenir Maman Pépé. Pendant que je frappe, pendant que je vais faire un direct du siècle, pendant que je serai en train de framponner, vous pouvez taper sec, vous cotisez dans le PayPal de Maman Pépé pour l'encourager. C'est ça qu'il faut taper les détracteurs. C'est un peu ça. Et n'oubliez pas de prendre votre table pour la soirée du 27 juin parce que Nicole Ketcha serait présent. Nicole Ketcha serait présent. Je vais encourager Maman Pépé. Je serai à sa soirée. Je vais partir l'encourager. C'est de ça qu'il s'agit. Partageons le direct, mettez les cœurs. Bipez tout le monde. Ça, c'est le matin. Pardon, je veux la perruque, la main en noir. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Bipez. Il faut mettre les cœurs. Parce que vous ne mettez pas les cœurs. La conscience, ils vont commencer à signaler. Ils vont commencer à envoyer les têtes de moi. Ils vont commencer à voilà, signaler. Partagez, mettez les cœurs, mes chers frères et sœurs. À part les Nicole que tu as restreint. J'ai pu taguer ceux que pouvaient taguer là. Mais comme ma page est restreinte, c'est un peu ça. Donc, bipez, partagez, mettez les cœurs. Pipez tout le monde. Une bosailleuse. Comment je suis une bosailleuse, mon frère? Je vais tenter de fermer la main un peu ici. Les gens qui veulent la perruque, là, je vais commencer à vendre les perruques, mais pas maintenant. Vous connaissez mon quota, non? Partageons, vous connaissez que moi, je ne suis pas moi tout, je ne suis pas moi chiche. Vous connaissez mon quota, moi, Nico Ketcha. Je ne suis pas moi chiche. Donc, c'est un peu ça. Si j'ai fait le dire le matin, parce que Marie est partie à l'école, ça veut dire que Marie, là, maintenant, si j'ai fait le dire le soir, Marie peut se lever, elle commence à me déranger. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, comment j'ai maintenant fait le dire le matin. Donc, les gens qui sont au travail, je suis désolée, n'ont pas la chance de voir. Ils vont voir ça après. Donc, taguer, partager, biper. Nicole, tu es belle et frère, merci beaucoup. Partager, biper, taguer, tout le monde. Ça bug, c'est parce qu'ils sont en train de vous la signaler, c'est pour ça. Vous signalez même quoi, c'est vous qui connaissez. Pourquoi vous signalez même quoi? C'est même pas où commencer. Vous commencez à pleurer. Quand vous commencez, là, vous allez dire quoi? Vous signalez même quoi, c'est vous qui connaissez. Nicole n'est pas venu pour clasher, Nicole est venu pour parler. Donc vous signalez même quoi? C'est vous qui connaissez. Donc Nicole n'est pas venu pour. Nicole est venu pour parler. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs, bipez tout le monde. Avant de commencer le direct, avant qu'on entre dans le vif du sujet, avant que les gens n'arrivent, parce que le matin, bipez-moi un peu Manganda, Mastico. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, bipez-moi d'abord Mastico. Mastico, alias Manganda. Mastico, alias Degremoy. Mastico alias Manganda. La dernière fois qu'elle fait le direct sur toi, maman, tu es partie pleurer en live.
Tu m'as appelé dans ton direct. Tu m'as envoyé les messages. Que quoi? Que si elle vient à Paris, Manganda. Que si moi, Mastico. Mastico. Tu as dit que si moi, elle vient à Paris, tu vas mettre les Maliens derrière moi. Ils vont me tchouk le derrière. Les gens, comme tu es bourré, tu es bête là. Les gens t'ont dit que Mastico va supprimer les messages là. Tu as refusé de les supprimer, non? Je suis parti, j'ai enlevé tous tes audios. J'ai mis ça de côté. Les preuves que si quelque chose m'arrive un jour à Paris, t'es un peu. Les gens vont écouter la partie, ce que tu as dit sur moi. Avant que les gens arrivent, que tu as dit sur moi, Mastico. Tu te permets de me menacer, Mastico. Hein? Tu es qui, Manganda? Tu te permets de me menacer, Mastico. Attendez. Mm-hmm. Écoutez. Tu vas poigner, moi tu vas me mettre, t'as merde de toi et pour ça. Voilà. Vous êtes que les pauvres filles. Mm-hmm. Tu viens d'arriver en Europe. Avec tout ce qu'on t'a fait à Facebook, tu t'es soutenu. Ma Estico. Au moins, moi j'ai mes asticots. Ma Estico, tu m'as soutenu, moi aussi t'es soutenu. Attendez, vous allez voir comment elle dit que. Dit qu'elle est voici là. Je serai à Paris au mois de juillet. Je vais te porter plainte avec ces voix-ci. Comme tu étais bête là. Écoutez la voix de Mastico. Regarde les blancs. Un petit pauvre voleur de poules. Un tchétchénien. Et bien, tu viens de parler. Je viens de baiser. J'avais un gars noir. Maman, je te dis que. Mastico, l'homme, le gars noir qui me dirait pas te draguer. Pas avec moi. Toi, Inkosa, vous êtes parti. La basse place, la basse cour. Là où je bois mon verre, là où je tiens mon verre. Je ne vous vois pas. Vous allez rester à Facebook et insulter. Mais, je te promets que. Écoutez. Les mamans. Maman. Viens ici. C'est la dernière fois que tu attends ma voix. Parce que j'ai pitié de toi. Pense que tu es une fille. On fait ça. Viens en antenne. La soirée de quelqu'un en antenne, non? Comme j'ai dit. Tu vas être violée. Pop! Vous avez compris, vous comprenez comment elle me dit qu'on va abuser de moi si je viens à la soirée. Écoutez. Mais j'ai pitié de toi. Pense que tu es une fille. Viens en antenne. La soirée de quelqu'un en antenne, non? Comme j'ai dit, tu vas être violée, pop. Ok, écoutez. Va mettre sur Facebook. Je t'ai dit ce que je t'ai dit là. Si tu es une femme, prends mon téléphone. C'est pas pour bavarder ici à Facebook. Tu m'as déjà vu dans tes pages un jour. Tu m'as déjà vu bavarder tes bêtises là. Tu es là, mais direct. Va supplier les pieds, les chiens comme les bossards. Je te dis d'abord que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas très bien. Vous ne réveillez une haine à moi. Quand tu as commencé ici, ma est-ce que j'étais bloqué? Mais comme il y a des pages, je vois ce que tu fais. Tu sais, ta vidéo me donne la nausée. Voilà. Vous avez parlé à Facebook, non? N'est-ce pas que tu m'as excité? Je n'ai même pas pu écouter ce que j'ai dit. Nicole, tu ne me connais pas très bien. Prends le téléphone. Prends ce téléphone si tu es une femme. Ouais, t'as pas un million, c'est que tu refuses. Oui. N'est-ce pas, vous, dans vos Facebook, là, quelqu'un s'assoit. Tu parles mal à ce type, tu m'appelles à ce que moi. Tu me connais ma vie? Si tu es une femme, Nicole, viens à Paris. La courte chose, l'aide, chose, vieille chose que tu dénigres là, je vais te montrer. Tu ne vas pas voir là où ça va arriver. Pour mon gospel, la seule gospel, ça ne m'intéresse pas. Viens, j'ai un cancan. Comme j'ai dit, comme pas tes chiolis. Prop! Voilà. Mien, je ne viens pas. Pas les gens qui te promettent là, ils ne viennent pas. Moi, je vais te faire ça du. Tu sais où ça sera? Nanterre. Tu sais qu'on est Nanterre? Assez-toi, bien. Vous avez parlé à Facebook, non? N'est-ce pas que tu m'as excité? Je n'ai même pas pu écouter ce que j'ai dit. Nicole, tu ne me connais pas très bien. Prends le téléphone. Prends ce téléphone si tu es une femme. Ouais, t'as pas un million, c'est que tu refuses. Voilà. Mastico. Tu m'as appelé. Tu envoies les voix pour me menacer. Donc, vous te dites que Paris ne t'appartient pas. Je serai à Paris le 27 juillet pour la soirée du diamant bleu, pour la soirée des mamas pépé. Je vais te donner rendez-vous.
Et avant de partir à la source, il va lui donner tes audios aussi à la police. Qu'est-ce que quelque chose m'arrive à Paris? Tu vas lire le... C'est parce que tu parles aux gens. Tu ne me fais pas peur, Mastico. Je te dis la vérité. Et là, comment tu es fini debout? Tu ne ressembles plus à rien. À cause de ta méchanceté, ta page, tu te moquais de moi et la page de maman Pépé, tu te moquais de moi. Et ta page est finie. Ta page était enlevée. C'est que Téna te dit que je n'ai pas peur de toi. Je serai à Paris le 27 juillet pour la soirée de l'heure. Donc, je, comme toi, tu n'es pas trop importante pour moi là. Je te laisse d'abord dans ton thème. C'est pour te dire que tes audios, si je l'ai, comme tu es bête, on t'a dit que Nicole, on t'a dit que Mastico est supprimé les audios que tu as envoyés à Nicole. Tu n'as pas supprimé. Je vais te traiter avec ces audios-là. C'est moi qui te dis. La course de l'enfance le matin, je suis une bosailleuse. Je n'ai pas peur des vermines comme toi qu'on appelle Mastico. Voilà. Bon. Bonjour, je ne vais pas trop mettre long sur elle, parce que je ne vais pas mettre long sur ce direct-ci. Envoyez les clés, partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le live, mes gens. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis Nicole Kecha. Envoyez les cœurs. Je suis Nicole Kecha. Nicole Bio. Si j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, parce que j'ai vu sur la toile, il y a la manipulation, il y a le tribaliste. Je veux que maman Pépé soit là. J'ai commencé mes lives. J'ai vu une page Facebook dans le noir qui me dit que pourquoi je m'acharne sur pipi. Avant, j'irai dans l'air parce qu'il dit que vous êtes dans le nom, faites les directs. Moi, je mets mon visage. Vos familles sont cachées. On ne vous connaît pas qui vous êtes dans les vous êtes, on ne connaît pas qui est derrière. C'est pas derrière ceux qui font les directs. Ma famille était exposée. Ma frère grand-mère était exposée. Donc, sors dans le noir, tu fais les directs. On va voir qui tu es. Vous allez voir comment on va exposer vos familles. C'est bien beau de parler. Vous allez voir comment on va exposer vos familles sur les réseaux sociaux. Parce que nous qui faisons les directs à visage découvert, nous courons beaucoup de risques. Donc, c'était un peu un petit débriefing sur une page de Congo, ça, comment envoyer là. Bonjour à tout le monde, je suis Nicole Kecha. Quand je suis arrivée dans les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire mes petits lives. Je parlais des cheveux. Je n'étais pas encore trop dans le Japon. Quand le clash est sorti, cette belle femme qu'on appelle le diamant bleu, maman Pépé, qui est entrée dans mon direct, elle m'a valorisé. Elle a partagé mes lives dans sa page. Sa page est chancelière. Elle a partagé mes directs dans sa page est chancelière. Elle m'a soutenu comme elle peut me soutenir. Elle m'a dit, Nicole, je n'ai rien pour te donner. Ce que moi, je peux te donner, ce n'est que du soutien. C'est sa team. Ils sont en partage. Mettez les cœurs. Parce qu'ils veulent le dire que je vais faire aujourd'hui là. Le dire que moi, je vais faire aujourd'hui. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Elle a partagé mon direct dans sa page officielle. Elle a commencé à me... C'est comme si elle avait vu quelque chose en moi. Qui disait seulement que non, soutient cette petite fille. Qu'elle a commencé à me soutenir, les gens de sa team, les Esola et les Kento, ont commencé à la jalouser. On commence à faire les coups bas derrière. On commence à l'insulter. Parce que maman Pépé a valorisé une bambléke comme moi. Que non, elle vient d'arriver. Pourquoi tu la pupille? Pourquoi tu veux faire ceci? Ils ont commencé à la valoriser. Parce que Nico Ketia, c'est ma fille que j'ai accouchée par les entrailles. C'est qu'elle était en train de dire. Ils ont dit que non, 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 ceci. Kento, la jalousie de Kento a commencé. Kento s'est retourné contre maman Pépé. Les audios, les voices, commençaient à la dénigrer, la chaudifier. Alors que quand quelqu'un te tend la main, c'est à toi maintenant, c'est à toi la personne à te surmonter. J'ai été captivante. J'ai commencé à faire mon petit parcours. Seul,
Elle partageait, mais après un jour, parce que je suis quelqu'un que je ne parle pas derrière les gens parce que j'étais quelque chose. Je ne parle pas derrière quelqu'un parce que j'ai besoin de la récompense, parce que je veux manger derrière les gens. Non. Je suis quelqu'un que j'aime vrai. Je suis amour. Je n'attends rien de personne quand je vais t'aider. C'est ça que moi j'ai dans ma vie. C'est pour ça que moi, tu dis que j'ai bossé avec 92 000. Je n'ai pas eu honte de le dire. Je n'ai pas eu honte de le dire qu'il vient d'une famille pauvre. Hmm? C'est comme ça que elle m'appelle et me dit que ma fille, tu vois ma page, elle compressor, ma page est en risque. Quand je partage tes directs là-bas, ça fait que Facebook... Parce que le moment-là, c'était Essola. C'était Essola qui était administrateur de la page de Maman Pépé. Parce que Essola ne m'aimait pas. Donc, c'est elle qui faisait en sorte que la page de Maman Pépé était zizaillée. Donc, elle prenait les prétextes pour dire à Maman Pépé que non, ça cause des directs de Nicole. Comment elle fait les directs de Clash là? C'est vrai que tes directs sont aussi. Maman Pépé est venue me dire, elle m'a dit que ma fille, je ne pourrais plus partager tes directs parce que ma page a des problèmes. Je n'ai pas eu de problème à ça. Et cela est parti supprimer tous les directs que je faisais dans les... Et cela est parti supprimer tous mes directs dans la page de Maman Pépé. Elle est partie supprimer tous mes lives. Moi, Nicole Kecha, je n'ai pas fait ça un problème. Je dis que non, elle m'a déjà soutenu. Pourquoi elle doit faire un peu? Parce que je suis derrière qu'elle. Je suis pas derrière qu'elle parce que j'attends quelque chose de quelqu'un. Non. Je suis derrière qu'elle parce que je suis comme ça. Quand tu me montres que tu es amour avec moi, moi me te montre que je suis amour avec toi. C'est là que les Kento, les Tussa, le Congo, ça a commencé à sortir. C'est là que vous voyez que Maman Pépé est chiffonnée de tous les noms de Kento et de Isola. C'est là que Maman Pépé est chiffonnée sur la toile. Qui se réunissent avec les pipimania pour vouloir détruire, pour vouloir descendre cette belle femme qui est le diamant bleu. Au lieu que cette femme vous a fabriqué à sa juste valeur. Vous étiez avant moi dans les directs. Et cela, tu faisais les directs dans le noir. Quinto, tu fais les directs, on te voyait. Moi, je suis arrivé. Ça fait un an que je suis dans le blogging. Un an. Je suis venu malgré mon faux français. Malgré mon faux français, j'ai été captivante. Les gens se sont abonnés à ma page. À ma page qui est partie. Kento, toi-même, tu as comparé ma page avec ta page. Tu me posais la question, combien d'abonnés tu as? Je te dis que non, ce n'est pas les abonnés qui font la visibilité. C'est la façon que tu mènes ton blogging qui fait la visibilité. Vous avez commencé à détruire cette femme, à la chaudifier, à monter les coups bas contre elle. Parce que vous, quand vous venez soutenir les gens, vous venez pas. Parce que quand vous venez soutenir quelqu'un, vous venez parce que vous voulez qu'on vous donne quelque chose de derrière. C'est ça qui détruit beaucoup de gens sur la toile. Parce que l'être humain ne connaît pas la valeur de quelqu'un. Parce que quand l'être humain vient soutenir, il vient soutenir parce qu'il a besoin de manger, parce qu'il a besoin d'un petit truc. Non! Ce n'est pas ça une relation. On a plus les vraies relations sur la terre ici. Parce que les relations n'en sont basées dans le matériel. Et ce n'est pas bon. Maman Pépé, c'est une belle personne. Avec qui? Ce n'est pas mon ami. On ne s'appelle pas comme on s'appelle tous les jours. Non, elle n'est pas mon ami. C'est une grande sœur qui a décidé de m'apporter son soutien. Ils sont en train de signaler. Il faut mettre les cœurs. Mettez les cœurs, mes chers frères et sœurs. Mettez les cœurs, bombardez les cœurs. Si vous n'êtes pas, il faut mettre les cœurs. C'est une grande sœur. Une maman qui a décidé de me soutenir sur la toile. Mes chers frères et sœurs, ce matin, je voulais faire honneur à cette belle personne qui est Maman Pépé. Je ne sais même pas si elle est là. Maman Pépé, malgré tout ce que les gens vont dire sur toi, tu as oublié d'éteindre le téléphone.
J'aimerais dire ce matin à maman Pépé ce matin que, pardon, envoyez les cœurs. J'aimerais dire ce matin à maman Pépé que ce matin que, comme les gens avec qui tu étais n'ont pas pu te valoriser, moi, Nicole Ketcha, une fille bamleke, une fille quoi, tu as prouvé que tu n'es pas tribaliste. Tu as prouvé que tu es camerounaise, que tu avais tout le monde. Je te remets ça ce matin. Maman Pépé, tu es une belle personne. Ne doute jamais de toi. Ne doute jamais de toi, maman. Qu'on ne te déstabilise pas. Sois fière que tu as fabriqué une fille bamleke. Tu as fabriqué une fille bamleke sans avoir d'arrière-pensée, maman Pépé. De toute la toile, les pipimania. Soit, voilà Brevin Binda qui est sur toi. Sa propre cousine qui est pipi ne parvient pas à la fabriquer. Mais elle veut se faire fabriquer par ton nom. Au lieu que sa soi-disant sœur dit que sa soi-disant sœur dit qu'elle fait les digues, elle a 100 000 vues. Mais sa soeur s'acharne sur toi matin, midi, soir pour avoir une fabrication parce qu'elle a compris que non, ton nom apporte les vues. Ton nom donne des abonnés. Parce qu'elle a vu ça derrière moi. Parce qu'elle a compris que quand tu donnes, quand tu fabriques quelqu'un, tu ne fabriques pas avec un cœur. Tu ne fabriques pas avec deux cœurs. Tu fabriques avec tout ton amour. Tout ton amour, maman Pépé. Ne doute jamais de toi, ma mère. C'est moi qui te dis. Ne doute jamais de toi. Tu es une belle personne. Laisse ce que les gens vont dire sur les réseaux sociaux. Tu tapes les mains sur la poitrine. Si tout le monde connaît Nicole Ketcha sur la toile, c'est grâce à toi. Si tout le monde connaît Nicole Ketcha sur la toile, maman Pépé, c'est grâce à toi. Tu as fabriqué une bambleke en tant qu'une barante. Sois fière de toi, ma mère chérie. Ne doute pas de... Allez mettre l'argent dans la cagnotte. Allez mettre l'argent dans la cagnotte. Mettez l'argent dans cette cagnotte. Quand le moment que je suis en train de framponner cette femme, que je suis en train de parler, vous l'encouragez, même si c'est 10 euros, mettez dans la cagnotte. Maman Pépé, qu'on ne te déstabilise pas sur la toile. Tu es une très belle personne. Tu es vrai. Tu vas taper ta main sur la poitrine que non, tu as fabriqué Nicole Ketcha. Si aujourd'hui on parle de moi partout, c'est à cause de toi. Tu es la première blogueuse qui est entrée dans mon direct, qui a partagé mon direct. Alors qu'il y avait une parenté soi-disant pipi qui était là, qui se moquait même de moi, qui m'a insulté dans tous les noms. Mais toi, maman Pépé, tu n'as pas regardé que les bambliqués. Tu es entré dans mon live. Tu m'as apporté de la force. Tu as partagé mes directs, maman Pépé. Sois fière de toi. Ne doute jamais de toi. Tu es une belle personne. Pipi qui t'insulte là, elle a fabriqué qui on a vu. Pipi a fabriqué qui on a vu. Pipi est juste jalouse de toi parce que tu as fabriqué une bangantée sur la toile. Pipi, elle est ton gars. Pipi est jaloux de toi. Tu as fabriqué une bagantée sur la toile, maman Pépé. Sois fière. Tape ta main sur la poitrine. Que qu'on parlait de Nicole Ketcha. C'est toi qui m'as fabriqué. Une quoi qui a fabriqué une bambleke. Si le cadavre qui est au Cameroun, que pour moi, elle est morte et enterrée. Si elle parle de moi, ça cause de toi, maman Pépé. Quand je faisais mes directs ici, là, Eux me voyaient, eux m'insultaient. Mais personne n'avait pensé me tendre la main. C'est toi, une quoi, qui est venu tendre la main à une bambleke. Tu dois taper ta main dans la poitrine. Tu dois faire comme ça.
Tu dois être fier de toi. Fier de toi. Si j'ai mangé l'argent, c'est à cause de toi. Si j'ai eu mes petits contrats sur Facebook, c'est à cause de toi. Si les gens m'appellent, j'ai eu plus de 100 000 appels l'autre jour, c'est à cause de toi. On me connaissait où? Qui me connaissait? Personne. C'est quand tu es entré dans mon direct le premier jour. C'est quand tu es entré dans mon direct le premier jour, maman Pépé. Sois fier. Tous ces femmes-là te jalousent. Tous ces bambinekés barantés-là te jalousent. Tous ces bambinekés barantés te jalousent, maman Pépé. Sois fier de toi. Est-ce que, demandez-leur, quelle est la blogueuse bambinekée qu'ils ont fabriquée? Tous ces bambinekés, tous ces barantés bambinekés-là, demandez-leur qu'ils ont fabriqué qui sur la toile? Personne. Mais tu as fabriqué Nicole Kétia. Nicole Kétia est connue à cause de toi, maman Pépé. Pourquoi? Nicole Kétia est connue à cause de toi. Tu dois être fier. Tu dois être fier de toi, ma mère. Ne doute jamais de toi. J'ai compris, les gens m'ont dit, Nicole Kétia, maman Pépé avait les problèmes avec mon papou. Pourquoi tu n'es, pourquoi? Je ne suis pas entrée dans le problème là-bas, ça ne me concernait pas. Mais j'ai dit que je soutenais maman Pépé parce que c'est grâce à elle que mon papou m'a connue. On vous a dit que moi, je marche n'importe quoi, je ne marche pas avec le ventre, non. Parce que Nico Kétia, je suis fille, que je suis vraie. Je ne suis pas une envieuse. Je n'envie pas les gens, non. Je suis fière de moi. L'habit, l'ensemble que je porte là, tu me demandes dans 10 ans, je te donne parce que c'est ma part. Je ne prête pas les habits aux gens. Tu me demandes la perruque ici, c'est parce que c'est ma part. Je ne prête pas aux gens. Je ne prête pas les choses aux gens parce que c'est ma part. Je suis fière. Vous avez compris avec quoi? Parce que je ne suis pas une personne qui est fausse. Vous avez compris? J'ai soutenu, j'ai dit que je soutenais, mais je n'entre pas dans ce problème qui ne me concerne pas. Parce que c'est un problème de famille. Vous avez compris? Voilà, on continue. Donc, j'ai dit et je retais sur la toile. Je suis venue sur la toile en tant qu'une bosailleuse pour parler de mon bosa. Et pour parler des cheveux et tout. Mais le blogging, ça m'a surpris. Et dans le blogging, j'ai été publiée. Ma famille était ma feu grand-mère qui m'a élevée. A été publiée. Parce que je suis venue soutenir une grande sœur qui a eu les problèmes sur la toile. Je suis venue soutenir une grande sœur chérie qui est blogging, qui avait les problèmes sur la toile. Ma famille a été publiée. Et moi, Nicole Kétia, je n'accepte pas ça. Ma grand-mère qui m'a élevée. Ma grand-mère qui m'a élevée. Que j'ai bossé pour elle pour venir au Cameroun. Pour venir ici en Europe. J'ai eu les hauts et les bas en Libye. Que je vais accepter une femme. Avec ces petits minuscules des gens, des followers, vont aller déterrer le cadavre de ma grand-mère pour que je ne me rende pas justice. Si j'étais en France, vous ne me connaissez pas. Parce que je suis en Italie. Vous savez pourquoi je suis partie au restaurant Bangou? Vous savez pourquoi je suis allée au restaurant Bangou demander des renseignements sur Pipi? On vous a dit que j'ai peur d'une femme. Hein? J'ai tous les preuves. Que quand on a publié ma famille, on a identifié. On ne me la fait pas. J'ai posé ma caméra sur Meta. J'ai mis ma caméra, c'est ma connexion. Je fais de mon blogging ce que je veux. Mais je respecte les gens. C'est normal, cela, c'est normal. Quand une grande sœur d'amour te parle en direct, tu as le droit de l'écouter. Mais c'est à toi seul de faire ce que tu veux. Donc, c'est un peu ça. Pipi et moi, c'est jusqu'à la tombe.
Je vais la croiser à Paris. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je viens du quartier difficile. Quand tu t'attaques à ma famille, tu t'attaques à mon enfant, tu t'attaques à ma feu grand-mère, je sors de mes gonds. Je ne suis pas quelqu'un qui est envieuse. Non. Je m'en fous. Et les millions, je n'ai rien à foutre dans ça. Mais moi, je me rends justice. Moi, Nicole Ketcha, je me rends justice parce qu'on ne me la fait pas. Non. Pipi, ne pense pas parce que ma grande soeur d'amour est venue parler sur la toile que je te laisse, que je vais te laisser. Je ne te laisse pas. Toi et moi, c'est bango, bango. Bango, bango. Je respecte les paroles des grandes soeurs. Mais je suis majeure. Je suis vaccinée. Je suis une mère d'enfant. Ne pense pas qu'une grande soeur va venir dire sur Facebook que je vais te laisser. Je n'ai pas les problèmes. Je n'ai pas de problème avec cette grande soeur-là. Parce que cette grande soeur m'a apporté un soutien. Je ne manquerai jamais le respect. Mais toi, pipitologue, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Parce que ma grand-mère, ma famille, je ne m'en dis pas chez les gens. Hein. Je n'ai pas l'amitié avec les gens sur Facebook. Hein. La seule personne avec qui je parle en interne, c'est maman Lily. Hein. La seule personne avec qui je parle en interne, c'est maman Lily ou maman Pépé. Avant encore, il y a encore un ami là avec qui je parle. Je ne demande pas l'amour de Facebook. Tu as compris, Pipi? Je ne demande pas l'amour des réseaux sociaux. On ne me la fait pas. Ne monte pas dans tes gros chevaux pour venir faire comme si je te laissais. Je ne te laisse pas, Dinyotas. Dis tout ce que vous voulez dire. Que Nico, que tu n'as pas de blogging, j'accepte. Mais j'ai un blogging. Parce que je viens démentir ton mensonge, Pipi. Je viens dénoncer ton mensonge. Parce que tu es une personne que tu mens beaucoup. Tu mens beaucoup. Vous êtes tellement les femmes, le tribaliste. Peut-être que pas, mais s'en vient verser ma pépé. Il a joué sur toi. Il a joué, mon papa a joué sur toi, Pipi. Il t'a prouvé que tu es une conne, que tu n'es rien. Regarde-toi aujourd'hui. Hein? Tu viens de ta rage, maman Pépé. Tu es sans oublier, Pipi. Quand maman Pépé est à l'hôpital, tu es parti appeler tonton Achille. Les vidéos sont là. Les vidéos, ça la guerre comme à la guerre. Vous oubliez vite, hein? Vous là. Vous oubliez vite. Partagez le direct, maman. Partagez-le. Vous oubliez très vite, Pipi. Pipi, tu oublies vite. Tu dis que maman Pépé a détruit ton mariage. Quand maman Pépé était à l'hôpital, tu étais encore papa Fodja, non, Pipi? Tu étais encore avec papa Fodja. Tu es parti appeler l'ex maman Pépé à entrer dans sa voiture pour que lui, il t'explique ce qui s'est passé avec son ex-copine, maman Pépé. Tu avais pensé à ça jusqu'à il t'a donné 50 euros ce jour. Jusqu'à quand il te voit venir demander que maman Pépé a demandé 50 euros à son frère. Mais toi, tu as demandé 50 euros à l'ex de maman Pépé. À l'ex de maman Pépé. Tu as demandé 50 euros à l'ex de maman Pépé. Hein? Tu n'as pas honte, Pipi. Je sors les vidéos sont là. Hein. Te voici ici, non? Te voici ici. Tu parles quoi? Elle voit sa loge, vous pouvez venir parler. Tu veux parler, Pipi? Partagez le dire, mes chers. Tu vois, si. Les Camerounais vont voir qui tu es. Je viens démentir tes mensonges. Ne crois pas qu'une grande soeur va venir parler que tu vas laisser le pipi. Je ne te laisse pas. La grande soeur là, elle parle sa part. Il n'y a pas de problème avec elle. Elle parle que sa part. C'est normal qu'elle me parle sur Meta. C'est normal parce qu'elle-même. Mais c'est moi-même qui dois décider quand elle va te laisser. Parce qu'elle ne te laisse pas d'un yotas. Voilà. Je suis avec toi, bango, bango. Bango, parce qu'elle est finie. Je vais te finir sur Facebook. Quand vous croyez que je vais te laisser. Donc tu vas venir appuyer les gens sur la toile. Je vais te laisser. Tu es malade. Puisqu'elle est même contente, elle sort. Tu n'es pas à Monaco. Hein? Tu as beau soleil. Tu n'es jamais à Monaco, Pipi. Toi, tu es à beau soleil. Tu n'es jamais à Monaco. Tu parles à Monaco. Tu es à Monaco.
Bon, partagez le lien, mes chers frères et sœurs. Partageons le live là. Partagez. Parce que tu t'assois, tu es venu jouer les victimes, pipi. Tu es joué les victimes. Tu es allé chercher le gars de maman Pépé, son ex-gars. Pour qu'il vienne passer à cœur ouvert. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur Meta. Tu veux jouer les victimes. C'est qui ici? Hein? Bonjour, c'est bon. C'est pas toi ici? Ah, mais parce qu'on m'a dit que tu vas parler combien d'enfants? Mm-hmm. On en parlera. Uh-huh. Ouais, mais quand même, dis-nous quand même le nombre d'enfants que tu as. Il va faire une vidéo sur ça. Hein? Pipi? Pipi, quand toi tu viens aujourd'hui jouer les victimes? Pipi, quand toi tu viens aujourd'hui jouer les victimes sur Facebook, dis comment maman Pépé entrait dans ton couple. À l'époque là, tu vivais encore papa Fodja à l'époque, non? Tu vivais encore et papa Fodja à l'époque, non? Non? Mais tu es parti prendre le tonton Achille pour qu'il vienne parler d'une femme qui a été battue. Tu vas venir sur Meta, venir ouvrir ta sale bouche, pipi. Ouvrez ta bouche, ta merde sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit que moi, je déclare. Moi, je décrypte tes directs. Je viens démentir dans tes mensonges. Et ça ne chauffe pas. Venez même sans. Je ne répondrai jamais au Nyama Nyama. C'est toi qui es ma cible sur Facebook. Tu as compris? Donc ne viens jamais mentir sur Facebook. Tu es jalouse de maman Pépé. Ta petite soeur a prouvé que le diamant bleu est une star. Ta petite soeur a prouvé, c'est ça qui te fait mal, pipi. Ta petite soeur a prouvé que le diamant bleu est une star. Que le diamant, ta petite soeur cherche la visibilité, tu pipi, tu m'as pépé. Tu peux mourir. Tu es que laisse-la. C'est qui ça? Toi-même, tu es qui, pipi? Toi, tu es qui? À Reims, tu dois combien de loyers à Reims? Jusqu'à prendre l'argent, c'est ton argent. C'est l'argent de Geneviève Gontama. C'est ton argent. Si je mens, sors l'argent là. Je me déconne de Facebook. Pipi. Sors l'argent là, il me déconnecte de Facebook. Sors l'argent là. Ce n'est pas pour toi. On va voir une chose comme toi. Tu vas venir sur Meta. Je te hais. Tu as osé ta merde de team ont osé publier ma feu grand-mère. Je ne vais jamais te pardonner. Parce que sur Meta, je suis famille avec personne. Je n'ai pas de famille, j'ai que des connaissances. Ma famille, c'est ma fille. Et ma mère et mes cousins. Maman Pépé, c'est une connaissance, une maman que j'aime. Ma grande soeur qui fait les directs, c'est une connaissance que j'aime aussi. Donc, je ne veux pas me rallier à la racaille comme toi. Ou soit venir faire la paix. Il y a deux personnes sur Meta que je ne pourrais jamais faire la paix sur la tête. Fini. Le cadavre qui est au Cameroun. Et toi, pipi, je ne pourrais jamais faire la paix avec. Parce que ma famille, on ne touche pas ma famille. Je suis une bosailleuse. Vous croyez que qui peut me faire paix sur Facebook? Zuckerberg a montré hier que c'est lui le patron de Meta. Personne ne commande Meta. Zuckerberg a montré hier. Il dit, toi, pipi, quand tu t'assois sur Facebook, tu t'assois à beau soleil, tu cries avec les anciens perruques. Viens dire, je reviens sur toi vendredi avec les autos. Viens dire aux Camerounais. Tu prêtes l'argent, tu as prêté l'argent. Tu dis que, avant que moi je vienne parler, pipi. Avant que moi je vienne parler, parce que j'ai trop sur toi, dessus, si, le téléphone si est rempli. Avant que je vienne parler, pipi. Viens dire au cas, va remettre l'argent de la réunion. J'ai dit aux membres de la réunion qui fait la réunion avec pipi. Maman ton chat. Toi qui encourage pipi. Allez prêter l'argent à la réunion. Maman ton chat, toi la femme, là, l'artiste musicienne là. Les adhérents de la réunion se plaignent déjà. Mon inbox est plein. Maman ton chat, toi, cette maman-ci, pipi te tunise. Elle travaille quoi? Maman ton chat, arrêtez l'escroquerie. Je vais venir dénoncer la réunion là. Maman ton chat, tu encourages cette pisseuse. Allez prêter l'argent à la réunion. Elle travaille quoi? Elle compte sur Facebook. Elle a quel contrat? Elle fait quelle publicité? Une femme qui est envieuse, maman ton chat. Maman ton chat, j'ai trop sur vous, maman. Maman ton chat, j'ai trop sur vous, maman. Avant que j'ouvre ma bouche pour parler, que je dénonce cette réunion, que pipi va remettre l'argent qu'elle a prêté à la réunion. Parce que j'ai deux adhérentes qui pleurent dans mon inbox.
Maman Torcha, j'ai déjà deux adhérentes qui pleurent dans mon inbox. Qui pleurent dans mon inbox. Que Pipi a prêté l'argent à la réunion sans remettre. Parce que toi, maman Torcha, c'est toi qui es derrière. Eh bien, c'est la péter sur mes tas, alors qu'elle n'a pas. Tu dois aller. Et t'avais dit que Pipi, laisse la faire que tu n'es jamais à Monaco. Tu es à Beau Soleil. Tu es à Beau Soleil. Tu comprends avec quoi? Laisse la faire que tu vas aller. Tu n'as rien à prouver à Papa Fodia. Papa Fodia, lui, travaille. Son assurance est assurée. Marie va faire venir ses enfants. Marie. Marie Fodia. C'est une femme comme ça. Elle travaille. Pipi, tu peux te comparer à Marie Fodia. Pipi, tu peux te comparer à Marie Fodia. Tu travailles quoi? À pas de piste. Tu travailles quoi? Pipi, tu travailles quoi? Pipi, tu travailles quoi? Tu peux te comparer à Marie Fodia. Marie Fodia travaille. C'est une femme intègre. C'est toi, Pipi. Tu dis que si Marie Fodia te dépasse, c'est de montrer qu'elle est une femme. Elle va prendre ses enfants. Elle va prendre ses enfants cette année-ci. C'est toi qui empêchais avec ton vampirisme, avec ta sorcellerie, qui faisait que Papa Fodia ne s'occupe pas de ses enfants. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Même s'il a deux enfants, tu n'es pas besoin. Papa Fodia reconnaît ses deux enfants. Il reconnaît, mais ce qu'il a fait avec Marie Fodia, c'est l'amour de la jeunesse. C'est l'amour de la jeunesse. Mais le deuxième enfant, c'est l'enfant de l'accident. On ne refait pas les enfants, mais il a accepté ses deux enfants. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le direct. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs dans le live, mes gens. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Partagez le direct. Partagez le live. Bipez tout le monde. Nicole est de retour. Pipi, tu dis que Marie Fodia va faire venir ses enfants ici en Europe. C'était toi qui étais une poisseuse. Toi, tu as vécu 13 ans avec Papa Fodia. Pourquoi toi, tu n'as pas demandé que Papa Fodia fasse venir ses enfants en Europe? Pourquoi toi, tu n'as pas demandé qu'il vienne venir ses enfants en Europe? Ben, tu ne voulais pas. Tu étais égoïste. Hein? Ben, tu étais égoïste. Aujourd'hui, je t'assure qu'il a deux enfants. Oui, il a deux enfants. Il a reconnu ses deux enfants. Mais Marie Fodia travaille. Ils vont faire le regroupement familial. Tous les enfants vont venir en Europe. Toi, tu le sais, tu es jalouse. Tu es envieuse. Tu montres l'argent. Tu es sûr que Luis Goria va t'aider. Pipi, tu es sûr que Luis Goria là va t'aimer. La façon que tu fais. Luis Goria, c'est une fille qui est trop sournoise. Luis Goria, c'est une fille qui est trop sournoise. Tu ne connais rien de ta fille. Tu ne connais rien de Luis Goria. Papa Fodia connaît tout. Luis Goria appelle Papa Fodia en cachet et il se parle. Eux se parlent. Elle a dit que si elle choisit entre toi, elle prend Papa Fodia. Mais tu n'as jamais regardé Luis Goria. C'est Papa Fodia qui a élevé Luis Goria. Tu viens vanter Luis Goria quand Luis Goria elle est grande, elle a 14 ans. Tu viens la vanter sur Meta. Tu étais où quand elle était petite. Tu vagabondais partout. Ton gars qui te niaise à Paris, il fait les dire non. Après mon live, je le poste ton nouveau gars. Pourquoi lui ne t'affiche pas, Pipi? Pourquoi le gars qui fait les. Pourquoi ton gars qui fait les dire là ne t'affiche pas? Parce qu'il a honte de toi. Il a honte de t'afficher. Il pouvait te niasse dans son salon. Comme il loue un petit. Il pouvait te niasse dans les douches là-bas. Dans les Nganda. C'est pas qu'il te niasse. Quand tu pars à Paris dans le 17e, c'est pas qu'il te niasse dans le Nganda. C'est hein, les farces. Mon média parvenu. Le farce. Média parvenu. Luis Goria a honte de toi. Elle a dit qu'elle pouvait son père que toi, Papa Fodia. Mais comme Papa Fodia a un cœur sur la main, il voulait faire venir que Luis Goria. J'ai dit que niet. J'ai refusé. J'ai dit que Marie, je parle avec Marie, mais je ne cache plus. Mais elle n'est pas mon FBI. Quand tu t'es parti dire l'autre jour que tu es maigre, tu as dit qu'il faut que Luis Goria flatte Papa Fodia. Pour que Luis Goria parle un peu, faire deux jours chez Marie. Chez Papa Fodia. L'FBI est venu me dire. J'ai dit que j'ai appelé Marie. J'ai dit que Marie niet, n'accepte pas. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle. Si Luis Goria part chez toi, tu vas te séparer de Papa Fodia. Parce que c'est ça qu'elle cherche. Aujourd'hui, tu comprends que ton tabankou, c'est un homme, non? Ton tabankou, c'est un homme. Une femme qui est le vrai gars. Une femme qui part même une femme qui part même là. À Monaco, ne parlait pas. Une femme qui a l'argent ne parlait pas. Elle part ici derrière. Elle part ici en Italie. Tu connais l'Italie où? Va seulement à Venise, tu connais l'Italie. Tu es parti d'un petit sous-village en Italie, tu vas me parler aux gens. On t'a dit qu'elle m'a bien à la vue du marché. Pipi,
On t'a dit que moi, une cause que ça, je m'habille avec les habits du marché. On t'a dit que je m'habille avec les habits du marché. Jamais. Je ne mets pas les habits du marché sur moi. Tu as compris? Je me contente du peu que je sais me donner. Je ne vante pas. Je ne suis pas venu en Europe m'habiller. Je ne vends pas le rêve. Toi, mais tu t'habilles comment, pipi? Tu t'habilles peu comme moi. Pipi, toi, mais tu t'habilles comment? Ça prouve que tu t'habilles à l'habit du marché. Une vraie blogueuse. Tu n'es tu as que la boue dans la tête. Parce qu'une vraie blogueuse, quand tu vas même payer l'habit du marché, on cache. Ça prouve que ça veut dire que tu t'habilles. Tu as venu parler de Nicole Ketcha. Tu n'as pas honte. Tu es qui, toi? Jusqu'à montrer le ventre. Une femme, tu n'es même pas accouchée. Tu viens te valoriser, mon frère. Hein? Est-ce que tu es contente? Est-ce qu'il faut la dire? Parce qu'on m'a envoyé quelque part que, hey, non, la blogueuse qui fait les dire là a dit que, Isaac a me propose pour, dont tu étais toi sûr de toi. Dont tu étais sûr de toi, que tu as vu t'asseoir tous les jours, mentir, inventer ce nom et ma bébé te laisser, ne te laisse pas. Je n'ai pas envie de, je ne suis pas venu pour la compassion des gens. Je suis sur point en balade. Moi, je suis en peine, hein. Pipi, je ne pars pas par convoiturage. Quand il part à Paris, il prend le vol. D'ici l'année, d'ici juin, je serai en Allemagne. Oh, je prends le vol. Je serai en Allemagne d'ici dans deux mois, je serai en Allemagne. Moi, je prends le vol. Je ne pars pas par convoiturage. Parce que je suis issu d'un enfant italien. Italien. Là, ma faute. Tu es venu en Europe. Tu as beaux ans partout. Aller écarter avec les noix. Même le chaos, tu n'as pas eu. C'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai sorti avec un Watt, il m'a donné 30 millions dans ta tête. Il m'a donné 30 000 euros dans ta tête. Où est ça? Entre 30 millions et tes Kaolo. Où est ça? Pas encore moi. Toi, tu vois pas comment tu vas. Tu es une blogueuse. Les vrais blogueuses prennent le vol. Mais toi, tu es tellement bête. Tu quittes de la France pour entrer en Italie par voiture. C'est-à-dire que tu n'as pas les papiers. Tu souilles le bloc camerounais. Regardez les Ivoiriens. Regardez Emmanuel Keta. Elle fait sa belle vie aux États-Unis. Hein? Regardez tous ces Ivoiriens-là. Même si une blogueuse ivoirienne, même si elle n'a pas les papiers, elle ne montre pas qu'elle part par la voiture. Si tu as sali, tu as montré comment tu as dénigré le bloc camerounais. En partant, tu quittes de la France pour aller en Italie avec la voiture. Tu as mis ta soif venir parler de Nicole Ketcha. Pipi, tu as mis ta soif venir parler de Nicole Ketcha. Nicole Ketcha qui part en France avec par vol. Par vol, même au mois de juillet, je vais prendre le vol. Je ne me salis pas. Je connais qui suis-je. Tu as venu parler de Nicole Ketcha, que toi, tu quittes la France pour entrer en Italie. Par convoiturage, par la voiture. Tu as venu t'asseoir, parler faux Camerounais. Tu salis le bloc Camerounais, pipi. Va en retraite. Ya! Yeah! Tu n'as pas honte. Bande de tribalistes, une grosse tribaliste comme toi, tu es une tribaliste, pipi. Tu es une tribaliste. Je serai sur toi en bango. Et je serai à Paris en juillet pour la soirée de ma pépé. Et je serai en Allemagne. Je dis qu'elle va te traiter. Tu seras en Allemagne, non? Tu serais quelque part en Allemagne, non, pipi? On va se croiser. Face to face. J'espère que tu as les kaolo. Pipi, j'espère que tu as les kaolo. Si tu n'as pas les kaolo, je vais te traiter. Tu es très méchante. Tu as une haine. Tu ne dis pas son nom. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ton tribalisme, c'est quoi? Hein? Tu voulais détruire les gens. Tu as les problèmes avec la reine Nebio, non? Pourquoi tu ne clashes pas la reine Nebio? Pipi, pourquoi tu ne réponds pas la reine Nebio? Pourquoi tu ne réponds pas la reine Nebio? Pourquoi tu veux que mon papou vienne verser sa soeur? Pourquoi? À cause de tout, bon, il t'a utilisé. Tu es venu vociférer ta haine en voulant détruire les produits de la Guta Bourse. Tu n'as jamais rien fait de ta vie. Tu n'as même rien fait de tes 10 doigts. Regarde ton visage. Ton visage est rempli de haine. Papa, faut déjà vivre une belle vie. Toi, tu souffres. Va répondre à la reine, mais bien on voit. Tu n'as pas les couilles. Parce que vous êtes tribaliste. L'autre jour, le cadavre qui est au Cameroun a dit que je vais répondre à la reine Nebio. Vous êtes parti faire les appels de conférence. Dit que non, il faut que nos problèmes restent en interne. Comme ça, il faut qu'on laisse comme ça que mon papou et sa soeur se gâtent sur les réseaux sociaux. Mais il vous a montré qu'il n'est pas bête. Il vous a prouvé que lui n'est pas bête. On a suivi le nain. Il vous a prouvé qu'il n'est pas bête. Vous avez travaillé, tu as travaillé pour lui. On a vu ta méchanceté. Tu veux détruire les produits d'une personne. Tu n'as même rien fait dans ta vie.
quand tous ces blogueurs sortent les produits, tu les détruis. T'as pas un où. Pipi, comme qu'une personne te prend au sens de mettre ingérie, non. Tu es une blogueuse, non. Hein? On, comment t'as dit sur la. On te dit qu'il y a deux grandes blogueuses sur la toile. Jusqu'à tu es cité. Tu es une blogueuse, toi, puis tu es une clasheuse. Je ne clash plus, hein. Je ne clash plus. Mais comment est-ce qu'on ne parlait pas d'elle? Elle a vu que sa cousine, celle qui vit dans le social en Allemagne, là, sa cousine est derrière. Elle aussi, là, c'est ta manière. Elle sait aussi qu'on a coucou. Elle est allée chercher les remèmes bas de la guitare pour venir déposer, pour venir salir le commerce. Tu ne peux pas salir ce qui est propre. Tu comprends? C'est ça que tu es la dernière des blogging. Tu es la dernière. Tu es la dernière du blog. Parce que les gens, on ne t'apprécie même pas. Personne. Tu as 2000 personnes quand tu clashes, quand tu achètes tes petits vues. Demande à ces 2000 personnes là d'eux que une personne sort. Pour sortir même une gamme, on te met même ingérie. On te met même aussi ambassadrice, non, pipi. Tu es tellement belle. Tu es la plus belle de Facebook. Pourquoi ne te valoriser pas aussi, pipi? Tiens, donc, j'ai mes pauvres pipi manias. Donc, tes pipi manias ne peuvent pas aussi te valoriser. Sors-tu aussi une gamme pour toi. Donc, tu as seulement les petits manières qui te donnent les petits miettes là pour te dire. Ils vont te dire ça quand? Jusqu'à quand? On va voir une vieille mère de 58 ans venir encore dire que c'est grâce aux gens qu'elle mange. Tu n'as pas honte? Les miettes, pipi. Tu sous le bloc des Camerounais. Et te dis la vérité. Tu dois prendre la retraite, pipi. Tu n'as pas honte? Ton chat. Deux femmes se plaignent dans mon inbox. Tu encourages pipi à aller prêter l'argent à la réunion. Pour venir se faire là. Pour venir. Ton chat. Vendredi, je baisse tout. Si pipi ne remet pas l'argent qu'elle est partie prêter à la réunion là, ben c'est toi qui signe quand pipi prend l'argent ton chat. Tu encourages pipi. Ben tu es tribaliste ton chat. Tu es tribaliste. Tu l'encourages. Elle va prendre l'argent pour rembourser la désadhérence de la réunion. Elle va prendre l'argent là où? Elle va prendre ça où ton chat? Tu encourages quoi maman? Toi tu te bats ici ton chat pour sortir la musique. Pipi a valorisé ta musique ton chat. Pipi a déjà valorisé ton basicing. Hein? Tu encourages quoi? Quand elle fait les directs, est-ce qu'elle a mis ta musique pour que les gens écoutent d'en haut? Elle n'a pas de fan. Ton chat, qui derrière pipi? Qui derrière pipi ton chat? Avant de quitter, à quelle aille remettre l'argent des adhérents? L'argent qu'elle a prêté à la réunion. Ton chat, pipi a ton âme combien de fois? Pipi a ton âme dans le ventre comment? Elle a beaucoup ton âme dans le ventre. Mais comme tu as peur des pipis, ton chat, mon numéro est là. Appelle-moi. Je peux t'aider, dénoncer cette vermine. Parce qu'elle vient mentir sur la toile. Elle prend l'argent des gens pour venir montrer que c'est son argent. C'est l'argent des adhérents. Pipi, comme toi tu dénonces les gens sur Facebook, moi je viendrai te dénoncer. Je viendrai te dénoncer avec ton chat. Ton chat, contacte-moi. Contacte-moi. Parce que je vais venir verser avec les captures d'écran et les audios. Je viendrai verser tout sur mes tas. Je ne blague pas avec vous. Tu vas arrêter de vendre le rêve aux gens Kapipi. Tu vas arrêter de vendre le rêve aux Camerounais. Moi, je vais te combattre sur mes tas. Je ne gère pas les à côté. Toi, une place. Une place. Je ne suis pas pour le mensonge. Quand il vient avec les preuves. Quand moi je viens avec les preuves. Tu vas te laisser facilement. Je suis une bosseuse. Hein? Pépé, renseigne-toi sur une Sonjou qui ne recule devant rien. Votre petite migmar des tribalistes bambéqués, là, je ne suis pas dedans. Je suis camerounaise. Tu as compris avec quoi, Pépé? Ta petite, ta cousine qui rêve Mbinda a prouvé que ma pépé est sa star. Si elle ne parle pas de ma pépé, elle n'a pas la visibilité. Elle doit prendre la visibilité de ma pépé. Bah, toi, tu es incapable de la fabriquer. Par contre, moi, ma pépé m'a fabriqué. Une quoi m'a fabriqué. Je suis connu Nicole Ketcha, ça cause de ma pépé. Et c'est une fierté. Mais toi, tu as fabriqué qui on a vu. Même ta propre cousine, tu ne parviens pas à la fabriquer. Tu es même jalouse d'elle. Tu es jalouse d'elle. Parce qu'elle s'est fait une place. Mais toi, tu refuses. Mais comme elle est wise,
Elle fait comme ça, elle ne t'écoute pas. Elle dit qu'elle ne t'écoute ni. Elle signe que des ma pépé. Elle dit que c'est pas qu'elle veut prendre ma Starmania. Elle dit que ma Starmania, elle veut prendre les sacs derrière ma pépé. Elle veut prendre sa Starmania là-bas. Tu peux donc mourir. Tu meurs. Tu dis que laisse-la. Tu la réponds pourquoi? Elle c'est qui? Pourquoi tu vas la répondre? Elle c'est qui? Laisse-la. Elle a dit que elle c'est qui? Elle préfère rester un repos. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu as fabriqué qui? Ma pépé m'a fabriqué. Elle encore va fabriquer ta cousine. Parce qu'aujourd'hui, si on connaît Redim Bina, c'est derrière ma pépé. Parce qu'elle ne parle que d'elle. Ma pépé, c'est une femme qui fabrique sur la toile. Si on parle de Redim Bina partout, c'est à cause de ma pépé. Ma pépé, Redim Bina se fait fabriquer derrière le dos de ma pépé. C'est comme ça, la star. Pipi, tu ne peux rien faire, pipi. Tu n'atteins pas ma pépé à la cheville. Tu n'atteins pas à la cheville, pipi. Tu vas comprendre ça comment? Tu vas beau la clasher. Tu vas beau te rallier. Avec qui? Son étoile va tout briller. Elle ne sait pas lire, mais elle est ambassadrice, pipi. Pipi, elle ne sait pas lire, mais elle est ambassadrice humanitaire. Elle représente une marque Guitabos. Elle représente une marque de produits cosmétiques, de produits pour la main. Elle représente. C'est grâce à elle. Elle a fabriqué la Guta. Toi, tu as fabriqué qui, pipi? Ma pépé a fabriqué Guta. Quand Guta faisait les directs ici, elle avait 20 personnes. Est-ce que je mens? Je mens? Mettez les cœurs. Vous les mettez même. Mettez les cœurs, mes gens. Ma pépé a fabriqué la Guta ici. Ma pépé a fabriqué la Guta ici sur les réseaux sociaux. Elle a fabriqué la Guta. Grâce à ma pépé, on a connu Guta Boss. Puis toi, tu as fabriqué qui? Quand toi, tu t'assois, tu sors tes veines, tu insultes ma pépé. Toi, tu as fabriqué qui, pipi? Vraiment, Adrien qui vendait les habits avec toi. Tu étais incapable de fabriquer Adrien. Tu as été jalouse de Adrien. Tu es parti voler son conseil des habits et t'a laissé avec. Aujourd'hui, tu vas encore les habits. Tu vas encore les habits, pipi. Tu es une personne que tu es une poisseuse. Quand je vois les gens voulaient coller son image à toi, c'est la poisse totale. Moi, je te dénonce, père. Moi, je viens décrypter ton mensonge. Je ne te clash. Je viens m'asseoir sur toi. Je m'en fous des gens qui vont me clasher parce que je ne les vois pas. Si on ne me dit même pas que telle personne t'a répondu, je ne vois personne. C'est toi qui es ma cible sur l'état. Allez même dire. Je n'ai pas le blogging. Allez dire. Je m'assois ton chat. Ton chat. Contacte-moi. Les gens se plaignent. Toi qui encourages pipi à prêter l'argent à la réunion, les gens se plaignent ton chat. Content, même m'assois sur toi ton chat. Dénoncer ton mensonge, ton escroquerie dans les réunions à cause de pipi. Parce que pipi te tient. Pipi te tient ton chat. N'aie pas peur de cette pisseuse. N'aie pas peur de cette pisseuse ton chat. Viens me contacter. Je vais finir avec ta race. Tu crois que quoi? Lorda, pipi, regarde-moi bien. Lorda, mon beau. Tu n'as pas publié ma feu grand-mère. Parce qu'un faux profil a publié ma feu grand-mère. Il t'a identifié. Tu as bataillé dans ta part. C'est bien beau pour vous. Vous êtes caché dans le noir. On ne voit pas vos familles. Ça ne vous permet. Mais moi, c'est ma grand-mère qui me. On ne touche pas. Si tu es qui, tu t'attaques à ma famille. Je vais te montrer, pipi. Tu vas servir d'exemple dans les réseaux sociaux. Je vais détruire ta vie. Quand je vais exposer ton chat, la femme qui danse, qui chante le bien, c'est qu'il n'a sa cause de toi. Ton chat, mon tu, contacte-moi en inbox. Je ne veux plus ça. Les adhérents se plaignent. Contacte-moi en inbox. Les adhérents se plaignent. Parce que moi, je vais dénoncer. Je ne peux pas accepter ça. Qu'on vienne escroquer les gens. Tu vas permettre qu'elle escroque les gens à la réunion. Elle vient se faire voir sur les réseaux sociaux. Alors que c'est une souffoteuse. Pipi, les 20 euros de la fille que tu as prêté à Reims pour manger là. C'est la fille là qui me retient. Hein. Pipi, c'est la fille là qui me retient. C'est elle qui me retient. La fille que tu as prêté 20 euros pour manger à Reims. C'est elle qui me retient. Tu connais qui? La fille là, c'est une fille qui a beau été au Maroc. Elle vit avec un blanc. Je te donne bien les indices.
Et elle, c'est, elle est amie à Papa Fodia. C'est même pas ton ami. Ce n'est même pas ton ami. Ce n'est même pas ton ami. Donc c'est elle qui me donne. Qui me donne le farce. Donc va y aller au moins, c'est 20 euros. Si tu es une femme, avec ta soie sur Mita. Vraiment une souffreteuse. Tu souffres, mon frère. La galère veut te tuer, maman. La galère veut te tuer. La haine te donne quoi? Tu es tellement haineuse. Regarde tes dents sont pourries partout. Tes dents sont jaunes. Regarde ma part. J'ai les dents blanches. Regarde tes dents, pipi. Tes dents sont pourries. Tu ne peux même pas te brosser. Tu te brosses même le matin. Quand tu fais les dents, tu te brosses, pipi. Tu te brosses même. Hein? Tu te brosses. Tu as dit que tu étais un quicon. Papa Fodia, c'est qui? Papa Fodia, c'est qui? Regarde le matin. Il est quelle heure, pipi? Il est 11h. Le matin, il y a plus de 300 personnes. Le matin. Tout le monde est au travail. Maman Pépa a donné la femme. Elle a tourné le dos. Le matin, on est plus de 300 personnes le matin. Tout le monde au travail. Je n'ai pas acheté. Je n'achète pas les vues comme toi, tu achètes les vues. Imagine si fait le direct le soir à 20h. Imagine si moi, il fait le direct le soir à 20h, pipi. Tu as compris? Je vais te dénoncer. Je ne peux pas te laisser dans une tasse. Moi, Nicole Kécha. Non. La grande soeur, là, ma grande soeur d'amour, elle a parlé sa part. C'est moi qui décide. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Je ne vais pas te laisser dans une tasse. Tu as compris? Tu as compris avec quoi? Tu vois que tu vas passer dans les réunions, prêter les gens, l'argent là dans la réunion, vouloir appuyer les adhérents. On vient me donner ton socor. Je ne vais pas mettre parce que tu crois que tu es qui? Hein? Est-ce qu'elle était contente? Il faut voir comment elle était déjà contente. Est-ce qu'elle vient s'asseoir avec ses anciens perruques? Le coucha en bas. Le coucha, les perruques sont tchac. Le coucha sur la tête, le coucha sur la tête, le coucha en bas, le coucha. Tu as fait une boza. Tu as visité tous les pays du Gabon et tout. Moi, c'est mon boza pour venir ici. Mais dans ton boza là, tu as qu'il aime une fille de ton quartier. Pourquoi tu ne pars pas à Kribi? La famille là t'attend. La famille de Solan, la famille de Esther t'attend à Kribi. Pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu ne pars pas? Tant que tu ne viens plus, même pas ta caméra, tu confesses la mort de Esther. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. C'est moi qui te dis, ta maman, il y a toi le cadavre qui est au Cameroun, vous deux. C'est pour ça que vous avez tellement une haine viscérale envers ma pépé. Vous avez une haine viscérale envers elle. Vous mettez les audios trafiqués. Parce que je n'ai pas le temps maintenant. Je suis un peu occupé pour le moment. Vous mettez les audios trafiqués. Les audios me sont parvenus. Quand j'ai vu les audios, j'ai eu mal. À cause, vous voulez diviser une amitié. Ça vous apporte quoi? Vous, ces minuscules bamleke baranté, ça vous apporte quoi sur la toile? En voulant détruire l'amitié, ça vous apporte pour que ces deux femmes-là tombent encore dans la dérive des clashs. Mais ils ne tomberont pas. Ils ne tomberont pas. Ils ont compris votre jeu. Même s'ils font semblant de faire comme s'ils ne se parlaient pas. Mais en interne, ils se parlent très bien. Très bien. Et vous aurez honte. Ya! Pipi! Pipi! Partout où tu passes, tu gâtes. Partout où tu passes, tu gâtes. Même Geneviève Gontama, tu as escroqué 5000 euros à Geneviève Gontama pour lui donner la Starmania. Pour dire que non, elle serait blogueuse. Mais qu'elle fait les dire, elle a 20 personnes. Elle a 20 personnes. Donc tu lui as pris 5000 euros. Tu as pris 5000 euros à Geneviève Gontama. Tu n'as pas honte. Tu as mis ça au. Parce que tu nourris les petits gars de 17e qui ne te valorisaient même pas. Partout ton. Il dit que ton. Mon inbox est plein de petits. Le gars qui fait les dire là, au 17e là. Un mec qui te paie. Le Congo, ça est ton nom. Pourquoi tu ne pars plus au 17e pipi? La honte de ça. La honte de ça. Tu es tombé si bas, maman. Regarde toi, on patte niasse où? À la douche. À la douche, maman. On patte niasse à la douche, pipi. Regarde, on patte niasse. Ah, oh, maman, comment dire le farce? Je suis tombé des nues. Quand le farce m'est parvenu, je suis tombé des nues. On patte niasse à la douche. À la douche. Au 17e.
Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, Pipi? Tu es une femme, toi? Papa Fodia, Dieu. Il dit que la personne qui va s'attaquer à Papa Fodia sur les réseaux sociaux va me porter derrière le dos. Va me porter derrière le dos. Va me porter derrière le dos. Papa Fodia a trop souffert. Il a souffert derrière Pipi. Oh, Dieu, il est heureux. Il est heureux. Il est en joie. Quelqu'un va s'attaquer à Papa Fodia sur la toile. Qui va s'attaquer à Papa Fodia? Ah! Je vais finir avec la personne là. Je vais finir avec la personne là très très mal. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que la cagnotte est pleine. Hein. J'espère que vous avez mis l'argent dans la cagnotte. Mettez l'argent dans la cagnotte. C'est de ça qu'il s'agit. L'année, c'est l'année du diamant bleu. Maintenant, on valorise le diamant bleu. C'est son heure de gloire. C'est son heure de gloire. Maintenant, si on valorise le diamant bleu, le diamant bleu va te valoriser. On te le diamant bleu, l'année, c'est ton année de gloire. On te valorise. Mettez l'argent dans la cagnotte. Et n'oubliez pas d'aller prendre votre table. Parce que Nicole Kétia serait là le 27 juillet à Paris. Nicole Kétia serait présente. On va faire fort. Le tout si. On soutient les bonnes causes. On n'est plus dans les, on est plus dans les nyama nyama. Là, le diamant bleu n'est plus dans le nyama nyama. Mais elle est dans les causes sociaux. Moi, et te repens, Pipi. Bah, toi et moi, tu as publié ma feu grand, mais ma soie que dessus. Tu as publié ma feu grand, mais ma soie que sur toi. Oh, ça ne choque pas. Je m'en fous des candidats. Allez avec vos gratte-ciel. Allez avec vos millions. Je suis en bain. J'ai mes kaolo. Je peux aller en France m'installer. Je peux aller en Allemagne. Je peux aller partout dans l'Europe. Je peux partir partout dans l'Europe. Je m'installe. Parce que j'ai mes papiers dans ma poche. Ma fille est italienne. Oh, Dieu m'a tout donné. Si Dieu me donnait les milliards et que je n'avais pas un enfant, je devais pleurer. Mais Dieu a dit que ma fille, tu es une personne qui est comme ça. Je pouvais te donner l'argent. Je pouvais te donner ton enfant qui va tout te donner. Dieu m'a tout donné. Mon enfant est italienne. J'ai mes caolo propre. Bébé, tu as quoi? Tu as quoi? Je peux aller m'installer partout dans l'Europe. Je ne galère pas. Parce que ma fille est italienne. Parce que ma fille est de l'Europe, est de l'Union européenne. C'est ça qui fait ma force. Allez faire pour vous. Non? Vous qui m'insultez là. Mon mari est pakistanais, j'accepte. Vous qui m'insultiez. Vous qui m'insultiez, mais partez aussi en avion, en voie. Partez aussi dans nos pipi. Tu es parti dernièrement ici en Espagne. Tu es parti par un covoiturage. Si ce n'est pas en Espagne. Maman. Il dit que c'est moi l'autre jour, je les appelle. On m'invite en Allemagne, on m'invite en Espagne. Le chaos est là, non? Le chaos est propre, c'est là. Les vacances, c'est Nicole, Nicole que je vais faire le tourisme. Le tourisme de ça, le chaos est là. Même si on va bien, on va dire Coco, la grande semaine, quand même, elle a conseillé que quand vous avez, quand vous arrivez, quand vous arrivez, quand vous arrivez, même si on va dire Coco, la grande soeur là, avait dit que quand vous arrivez en Europe, cherchez vos chaos. Au moins, c'est ça, elle avait conseillé. Mais toi, tu as conseillé qui, Pipi? Toi, tu as conseillé qui sur la toile? Personne. J'ai mes carreaux, je peux partir partout. Je ne vais pas faire le convoiturage comme toi, tu fais le convoiturage. Non, je ne suis pas dedans. Mais prends mon vol. Wow. C'est de ça qu'il s'agit. Je te dépasse très mal. Très mal. Tu as compris? Donc, je soutiens Papa Fodia. Tu ne peux rien. Tu tentes de parler de lui, ma soeur, de tes combats. De ton combat propre. Et je serai à Reims. Avec maman Pépé. On te prépare une surprise, Pipi. Je serai à Reims. Avec maman Pépé. Avec Marie. Maman, on te prépare une surprise. Tu vas tomber, Emmanuel. Pipi, Hugo croit sur mes tas. Je serai à Reims. Je vais appuyer où ça fait mal. Je vais appuyer où ça fait mal. Même là, même mon papa autant. Je serai avec lui à Paris. Oh, avec sa femme. Tu ne peux pas détruire ce couple-là. Le couple, autant, tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire. Il ne peut plus rentrer avec toi. Tu vas chercher. Tu es derrière. Tu as besoin qu'il te niasse. Il a dit niette. Papa, autant, il n'est plus dedans. Il ne te niasse pas. Tu supplies. Tu supplies qu'il te niasse. Pipi, on peut supplier la niasse comme ça, maman. Pipi, on peut supplier la niasse, maman. Une femme peut supplier la niasse, maman. Tu supplies la niasse.
On peut supplier la gnasse comme ça, pipi. Tu supplies la gnasse. Tu supplies pas, oh, oh, pas, oh, gnasse, moi, pas. J'ai dit que mon tonton, si j'entends un jour, tu entends un jour que tu as seulement me fait bonjour à pipi. À pipi. Oh, je vais finir. Parce que ma tata d'amour, la femme de Pao, elle et moi, on est comme ça. Ami. Ami. Tu vas rester seul sur la poêle. Et elle dit que le collègue devait t'appuyer. Ça fait mal. Je vais attendre. Attends-moi à Paris, pipi. Attends-moi à Paris. Je vais te montrer que Paris, là, je vais te commander dans ton Paris. Attends-moi pas. Qu'est-ce que la femme de Pao? Elle m'a dit que ma petite soeur chérie t'attend un peu. Je vais t'accueillir. La copine de Pao, sa nouvelle copine, là. Je ne dis pas, elle m'a dit que ma petite soeur chérie t'accueille à Paris. Je vais appuyer. Pipi, tout ça fait mal. Tu vas sentir ça sur toi. Après, qu'est-ce que ça, papa, faut dire avec Marie. Il dit que l'année, c'est les vacances, c'est Hugo, tu vas couler les larmes. Parce que les petits choses que tu fais sur Facebook, oh, hein, papa, faut dire, maman, ça te touche. Ça te touche. Papa, il dit que, pas autant me connaître, non. Si tante, pas autant me connaît, il me connaît. Si j'apprends seulement. J'apprends seulement qu'il a fait l'erreur avec toi. Il a demandé que bonjour à une bosse. Je viens ici, je le lave propre. Il connaît. Il connaît. Il peut pas. Et c'est. Ah, tu vas mettre le concombre là-en bas. En bas. Tu vas utiliser le concombre là-en bas seul. Parce qu'aucun homme. Aucun homme ne va plus te niasser. Si tu es une femme, montre-moi les hommes. Tu es à Monaco, non? Il n'y a pas un milliardaire là-bas. Parce que vous avez des milliardaires dans vos têtes. À Monaco, que tu es là, pipi, il n'y a pas de milliardaire. Pipi, il n'y a pas de milliardaire à Monaco. Hein? Pipi, il n'y a pas de milliardaire à Monaco, pipi. Il n'y a pas de milliardaire. Attends-moi. Je te réserve une surprise. Une surprise mémorable. Que tu vas lire. Ouais, vous m'avez. Pendant elle met là dans la cagnotte, mettez-la dans la cagnotte. Je ne vais pas venir parler pour rien. Ouais, Kenny, quoi que tu as? Ouais. Les gens, vous êtes, maman, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué de m'insulter. Vous êtes m'insulté, fatigué, fatigué, vous faites quoi? Vous m'insultez pas fatigué de m'insulter. Hein? Vous n'êtes pas fatigué de m'insulter. Insultez-moi. Vous n'êtes pas fatigué de m'insulter. Ouais, on dit que qui? On dit que quoi? Maman, les gens, hein? Pardon, si même, ils sont même droités un peu. Je bannis un peu te reposer, sale chien. Hein? Il y a une histoire que j'ai envie de parler sur la toile. Il faut qu'on dénonce ça. Comment on va mettre? Mais il faut mettre. Mettez, maman. Mettez. Encouragez le diamant bleu. Encouragez. Mettez que c'est de ça qu'il s'agit. Encouragez. Mettez que là, dans la canotte. Que frappez la boue des détracteurs, des pipimania. Ils sont tels. C'est donc tel. L'ennemi numéro un du diamant bleu sont les pipimania. Fermez la bouche des sales pipimania. Je m'en ai dit quelque chose au Camerounais. Il faut qu'on dénonce ça, franchement. Avant que. On va dénoncer ça, mes chers frères et sœurs. Partage pas, patientons. On va dénoncer ça. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête la haine. La haine ne paye pas. À un moment donné, il faut qu'on dénonce la haine. La haine, là, ne paye pas. Ça ne paye pas. Parce qu'il me faut dénoncer ça, c'est un peu de trop. Écoutez, je suis restée l'autre jour, m'envoyer un direct là. Bipe-moi du Cambindo. Ce n'est pas normal ce que tu as fait. Tu ne peux pas appeler le cousin de Maman Pépé en live, tu ne le dis pas. C'est la pure méchanceté. C'est que vous êtes tellement belle, les gens vous utilisent. Tu crois combattre Maman Pépé? Tu crois la combattre que les gens vont venir te regarder? Mais le soir, tu fais les directs le soir à 22h, tu n'atteins même pas 100 personnes. Parce que tu es tellement haineux. Écoutons la puce, écoutons la sorcinerie, écoutez la sorcinerie. Écoutez la sorcinerie, partagez.
Écoutez la sorcellerie. Il appelle le cousin. Oui, c'est comment? Écoutez. Oui, ça va et toi? Ben, je suis là, non, père. Tu as pensé à moi que tu l'as. Mais, est-ce que tu peux rajouter? Est-ce que tu peux rajouter Thierry dans la conversation? Parce qu'il y a un oui sur lui, là. Attends, tu l'ajoutes, hein? Ben, je t'explique d'abord. Il ne sait pas qu'il était en direct. Du coup, il doit appeler ce titre. Non, Thierry, il n'était pas en direct. Il a dit qu'il a porté tous les taux de Sandra. Il est quoi avec? Il a piégé. Il est parti de la maison, il n'est plus avec elle. Elle est triste. Et est-ce qu'il est chez Langa? Est-ce qu'il vit chez Langa? Oui. Mais qu'est-ce que Facebook, quand tu racontes alors, sur Facebook, on dit qu'il a porté les deux de la main. Non, c'est bon. Attends, comment tu veux poser ça? Tu vas ajouter. C'est bon, hein? Attends, non. Ouais. Non, attends, d'abord, on explique d'abord. Expliquons d'abord. Oui. Chute la tête de mes parents, que tu viens d'avoir dit tout à l'heure, lui et moi, on a même fait ensemble. Il y a. Mais pourquoi tu ne te dis pas au mal de dire à Sangala d'arrêter les conneries qui est tout sur Facebook, maman? Tout le monde a été le bombarder. Son nom est partout, Diman. Du Camino, son nom est partout. Ben, c'est elle qui donne la fabrication. C'est elle qui fabrique à l'heure ci. C'est elle qui fabrique à l'heure ci. C'est elle qui donne à manger aux gens. Son nom est partout. Moi-même, tu regardes, une fois vous m'avez appelé. Moi, elle dit que moi-même, je ne le ferai pas plus. Mm-hmm. Mais comment, du Camino, comment tu es méchant comme ça? Ouais. Mais si la belle Angala, il va y abattre. Hein? Non, il est ici à Paris en ce moment avec Regardez un peu la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Regardez la sorcellerie. Regardez-toi du Cambindo. Tu as un gars que tu as Boza. Tu as vu le wa au Maroc. Tu as eu tous les coups bas au Maroc, tout. Mais le Seigneur a permis que tu arrives en Europe. Tu es arrivé en Europe. Je n'ai pas envie d'entrer dans ta vie misérable que tu as eu à faire. Parce que tu m'insultes, tu m'as clashé la dernière fois. Tu as dit que non, quand ma grande soeur blogueuse est sortie, elle a dit que tu as dit que tu savais. Mais tu penses que moi, je ne viendrai jamais la clasher. Ce que tu entends, je ne peux jamais, je ne mange pas où j'ai vomi. Je ne vomis pas où j'ai mangé. Tu as rangé ton venin sur moi. Hein? Toi, du Cambindo, tu n'as pas honte en tant qu'un homme, soi-disant homme père de famille. Parce que depuis que tu es même dans les soi-disant maisons que tu vis là, tu n'as jamais amené tes enfants là-bas. Jamais. Mais tu appelles le cousin de maman, père, le cousin de son mari dans ton live. Tu ne dis même pas que tu es en direct, tu le mets en live. Parce que tu croyais que le cousin devait venir verser maman Pépé en direct. Mais il t'a fait honte, il a dit plutôt la vérité. Regarde ta haine. Regarde comment. Après demain, tu vas dire que tu n'as jamais fait ça. Du Cambino, si toi, on te fait ça, tu serais content. Vous ne voyez pas comment vous faites aux gens, hein. Mais toi, tu provoques cette femme tous les jours. Tu es entré dans le direct de mon papa pour qu'il lave sa soeur. Il t'a fait honte. On vous utilise. Après demain, tu as dit que non, c'est lui qui m'a utilisé, c'est lui qui m'a envoyé. Au côté de vous, tu mets ta caméra seule. Depuis qu'il n'est pas tangé depuis tes directs, tu es rentré à 10 vues, à 500. Un grand blogueur comme toi, tu es dans le blogging depuis des années. Les gens ne t'ont jamais aimé. Jamais. Tu es derrière les gens parce que tu veux manger les miettes. Vous aimez les gens pas pour moi. Vous aimez parce que vous êtes tout. Tu te dis qu'en te ralliant à pipi, tu vas avoir les petits followers. Les pipi maniens ne sont même pas là. Les pipi maniens ne sont même pas là. Ils sont là. Ils sont tellement ingrats. Ils donnent à pipi. Hein? Du Cambindo. Regardez-toi. Tu n'as pas honte, mon frère. Un homme comme toi, tu n'as pas honte de faire passer un homme dans ton direct. Tu ne lui dis pas que tu es en live. Tu ne dis pas que tu es en live du Cambindo.
On peut faire ça. Ta méchanceté a débordé les limites. Ton aigreur a débordé les limites. Tu ne vois pas ce que tu l'as fait. Personne ne sait ça. C'est moi qui viens de mettre ça en live. Parce que toi, on ne te suit pas. Tu n'es même plus suivi. Mais il faut que les gens comprennent comment vous provoquez cette femme. Tu n'as pas honte de faire passer quelqu'un en direct sans lui dire. Parce que tu es prête à détruire cette femme. Vous voulez détruire maman Pépé. Mais vous ne pouvez pas la détruire. Son étoile, c'est unique. Son étoile est unique. Vous ne pouvez rien faire. Rien. Vous allez voir, elle va s'entendre. Vous pensez que leur relation est... Vous pensez son amitié et sa copine, c'est pas... Ils se parlent en interne. Ils rient de vous. Vous n'avez même pas honte. Vous serez fiers si ils ne vont jamais se clasher. Ils connaissent vos plans. Ils savent que vous voulez qu'eux se clashent pour voir vous mourir. Vous n'avez pas de blogging. Vous voulez que eux, ces deux femmes se clashent. Ils ne vont jamais se clasher. Parce qu'ils connaissent qui vous êtes. Ils savent que si se clashent, c'est le temps perdu pour eux. C'est un perdant. Parce que vous, les alentours, vous voulez vous nourrir de leur clash. Ya, du cabindo. Ya. Regarde comment tu es devenu. Tu es l'ombre de toi-même. Tu es l'ombre de toi-même. Si on parlait d'elle, tu vois, quand tu parles d'elle, tu as 200 personnes qui te regardent du cabindo. Maman Pépé, c'est une star. Ne parlez pas de Maman Pépé si tu vois la star mania. Depuis que tu ne parlais pas d'elle, quand tu ne parlais pas d'elle, tu avais 50 personnes qui te regardaient, non, du cabindo. Tu avais 50 personnes qui te regardaient. Mais quand tu parles de Maman Pépé, tu as au moins 200 personnes, 150 personnes qui te regardent. Par exemple, tu parles du diamant bleu. C'est le diamant bleu à l'heure ce qui donne la visibilité à l'heure. Quand tu parles du diamant bleu, tu as les vues. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit sur Facebook du Camido. Tu es tellement bête. Tu ne peux même pas te comparer avec Amé Kamé. Hein? Amé Kamé te dépasse très mal. Amé Kamé fait le blogging, sa voix porte. Ta voix porte où? Ta voix porte où? Quelle femme peut venir faire le genre qu'elle fait, elle fait le genre qu'elle soit, elle fait le beurre qu'elle soit avec toi? Pèse, aucune gars ne veut t'assumer du Camino, aucune gars. Si tu es un homme, tu me réponds. Si tu me tentes de me répondre, j'espère que Benzine va passer. Il va passer. Je vais venir exposer ta vie avec Guy Benzine. À la Réunion, tu me connais, non? Quand tu avais chié à la Réunion, les mouches sortaient sur ton pantalon, les mouches. Tu me connais à la Réunion, qui t'aime à la Réunion? Tu n'as même pas d'amis à la Réunion. Quand ils ont dit que tu sens que tu as une odeur à la Réunion de Guy Benzine, il y a le farce. On ne t'aime pas dans les réseaux sociaux du Canada. On ne t'aime pas. Père, tu as insulté mon enfant, je ne pourrais jamais te pardonner. Tu avais insulté ma fille. Que Marie Aura ne va jamais se lever dans son sommeil. J'ai encore ça. C'est dans ma tête. Je ne pourrais jamais. Quand tu t'attaques à mon enfant, je peux faire semblant, mais quand ça me revient, je ne te pardonne pas. Vous n'avez même pas honte. Après, avec Nicole, j'ai vraiment déposé comme ça. On écoute comment tu as fait passer. Tu as fait passer le monsieur là dans ton direct, sans que tu n'aies même pas dit que tu étais en direct. Tu n'as même pas dit que tu étais en live. Tu n'as rien dit. Tu l'as fait pas. Pourquoi tu voulais qu'il vienne saboter tonton Thierry et maman Pépé? Mais il ne t'a pas saboté. C'est quand le gars a su, c'est quand on l'a appelé pour dire que tu étais en direct, hein, qu'il t'a donné les vectos. Il t'a donné les vectos. Tu es un homme, toi. Tu es un homme. Elle t'a coûté. Comme le beau, elle t'est un pied demi comme ça. T'es un pied. La musique t'a dépassé. La musique. Tu étais en Espagne. Avec les tafos, tout ça. Vous avez rencontré un riche espagnol. Qui vous a donné l'argent. Vous avez fait les partout à l'hôtel. On t'a donné ta part. Tu vas te construire une ancienne carabasse là-bas au Cameroun. Mais ce n'est pas fini. Tu as pleuré le sac de ciment. On t'a donné combien de sac de ciment? Combien? Tu n'as même pas honte. Avec ta jalousie viscérale que tu as là. Tu as chassé Mélissa Pet, une des grandes dames de Mélissa là, qui aidait tout le monde. Ta méchanceté, ton erreur. Tu as saboté cette femme sur la toile. Insulté la femme sur la toile, insulté. Au lieu qu'elle aidait tout le monde. Tout le monde l'aidait. Elle t'a envoyé l'argent que. Elle t'a aimé. T'a encouragé dans tes vêtements. Elle t'a envoyé l'argent. Va l'argent. Envoie les vêtements de Nicole, l'abbé Samé et ma pépé. Tu as pris ça, tu as mangé. Tu viens t'asseoir, tu l'insultes. Tu n'as même pas honte du Camido. Tu n'as pas honte. Tu es un homme, toi. Parce que tu veux la draguer. Tu peux draguer une femme comme Amélissa. Tu peux la draguer.
Tout le monde te fuit. Tu vas te poser des questions. Ben, tu vas te poser des questions du cabinet. Tu vas te poser des questions. Que pourquoi les femmes me fuient? Pourquoi aucune femme ne veut s'afficher avec toi? C'est moi à la réunion. Maman, il y a une fille de la réunion qui m'a contacté. Maman, qui m'a dit que maman Nicole, je vais te donner le phare de Ducamido. Elle dit que non, depuis Ducamido, elle ne m'a pas attaqué. Elle me dit que non, Ducamido te lance souvent les piques. Elle dit que comme ça, elle me dit que oui. J'ai dit que ouais. Elle me dit que non, Nicole. Elle dit que ouais. Tu sais comment on n'est pas moins attaqué ce nabo de Ducamido. Il m'a pas. Elle me dit que non, Ducamido te lance les piques tout le temps. Tu me dis que Ducamido, si tu es un homme, tu me lances encore un jour les piques dans ton direct. Je vais dire que je vais me verser ta vie de la réunion là. Avec Biggie, avec Benzina. Tu me connais, non? On va te chasser là. Tu ne vas pas congo ça. La réunion de Benzina est dehors. Le faf n'est pas venu. Pareil, tu crois que continue à m'attaquer. Les gens m'aiment. Continue à m'attaquer. Tu as lancé des pics dans ton direct. Tu me lances des pics dans ton direct. Que venir verser la réunion de Big Benzina en direct ici. Je fais, on va te chasser là-bas. Tu vas voir. Attends, continue. Tu es un homme, toi, qui t'aime, personne ne t'aime. Tu es un homme, toi. Tu n'as pas honte du Camino. Tu n'as pas honte. Ya. Yeah. Si on te fait là, tu es content. Si on prend ton cousin du Camino, on passe en live, on ne te dit pas qu'il vient verser ta vie, tu serais content. Faites aux autres ce qu'on ne peut pas aussi vous faire. Faites aussi aux autres qu'on peut vous faire. C'est bien beau de faire à maman Pépé parce que c'est l'enfant du chien. C'est l'enfant du chien. Tu as causé à maman Pépé. Tu es ta amie. Tu as même dit que non, si tu es la seule blogueuse avec qui tu causes bien, tu peux causer avec Pipi. Hein? Toi-même, tu as dit ça que Pipi s'est déshabillée devant toi. Elle a enlevé sa serviette en plein vidéo sur WhatsApp. Elle a enlevé sa serviette devant toi. Toi-même, tu as dit cela. Maman Pépé a fait ça avec toi. Au moins, tu veux quand même lui donner son respect. Hein? Tu veux quand même lui donner son respect. Tu ne donnes pas. À quoi vous sert l'amitié? L'amitié par intérêt. C'est pour ça que le bloc camerounais ne va jamais évoluer. Regardez les Ivoiriens. Regardez les Ivoiriens, ils font le blogging, ils font le clash arrangé pour animer le blogging. Mais pour nous, c'est la haine. On veut te battre, on veut t'appuyer pour que tu n'avances pas. Tu veux quand même penser au bon moment que tu as passé. Du Camino, tu veux quand même penser au bon moment que tu as passé avec Maman Pépé. Je te dis la vérité, au bon moment. Au bon moment, tu as pouvoir se rallier à son frère pour la combattre. Quand ils vont s'arranger, tu t'as pas tu serais au milieu, non? Du Camino. Quand ils vont s'arranger là, tu serais là. Tu aurais honte. Moi que tu crois que tu es entré à l'intérieur. Tu aurais honte. Tu aurais honte. La haine. Vous ne pouvez jamais mettre la paix quelque part. Vous ne pouvez mettre que la haine. Ya! Le nain. Un nain comme toi. Tu n'as même pas honte. Jusqu'à ce que tu fais passer son cousin dans ton direct sans lui dire. Sans lui dire. Après, tu vas venir te plaindre que oh, on m'attaque. Elle t'a attaqué. Depuis Diamant Bleu, t'attaque. Du Camino. Depuis Diamant Bleu, tu vaux même tonton Thierry. Tu ne vaux pas la cheville. Tu ne vaux pas son gars la cheville. Tu ne vaux même pas tonton Thierry la cheville. Tu ne vaux pas. Tu es comme ça. Et t'es vu à la soirée de Mafo. Sale. Sale. Et t'es vu à la soirée de la blogueuse la sale. Tu étais sale jusqu'à. Tu donnais envie de vomir. Est-ce que tu crois que tu me connais même mal? Demande à Balata m'a vu. Balata le Balata, il m'a vu, il ne peut pas me parler fort. Balata le Balata. Même Mangana m'a vu. Le charisme de ça. Ma chaussure seulement, ça peut parler. C'est-à-dire tais-toi. Tais-toi. Parce que faites-vous. Parce que comme Nicole que tu as Boza. Nicole que tu avais vous dites que je suis une famille pauvre. Là, vous m'appuyez pour dire que on va se mêler ceci. Maman m'amusait. Fais attention à toi, du Camino. Les gens ne t'aiment pas, on te déteste beaucoup. Les gens ne t'aiment pas. Toute ta vie, quand tu as soit la réunion de Bim Benzina, aucune femme ne laisse. On dit que tu sens l'odeur. Qu'il y a l'odeur des essais qui sentent, l'odeur qui sentent sur toi. Toutes les filles de la réunion là, me contactent pour toi. Qu'elles viennent te dénoncer. Qu'il faut que tu te laves. C'est moi qui dis. C'est moi qui dis, du Camino. C'est moi qui dis. Ce n'est pas bien, il faut arrêter ça. Moi, je viens dénoncer. Moi, je suis une blogueuse. Je dénonce. Elle n'est pas le chien de cœur. Ma bébé n'est pas le nabon de tout. Moi, je viens te dénoncer. Tu n'as même pas honte. Il faut faire ce qu'on peut aussi vous faire. Tu comprends? Qui peut prendre du Camino? Si j'allais pour moi avec les gens, tu vois, qui peut dire pas ça comment pour te soutenir? Personne ne peut te soutenir. Personne ne peut te soutenir. Personne. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Mais il faut arrêter votre truc que vous faites dans tes fesses sur les réseaux. C'est pas bien.
Tu voulais la déstabiliser. Tu voulais encore la descendre. C'est quoi? C'est qu'un tribaliste, c'est ça. En plus, même tu es un beau. Hein? Même quand on veut détester quelqu'un, il y a quand même la sagesse. Hein? Il y a la sagesse. Hein? Il y a quand même la sagesse, mon frère. Il y a quand même la sagesse. Il faut arrêter. Il faut arrêter ta méchanceté que tu veux faire aux gens. C'est pas bien, mon. C'est pas bien. C'est pas bien. As-tu mis les audios pour qu'on écoute la voix du monsieur? On écoute sa voix. On écoute la voix du monsieur. Pour qu'il vienne descendre son mari. Ben, toi, tu n'es pas un homme, tu es jaloux. Quelle femme peut te valoriser? Quelle femme peut t'apprécier? Personne ne t'apprécie. Personne même. Personne ne t'apprécie. Personne. Personne. Hein? Dis personne. Ce n'est pas bien. Franchement. Allez, vous laissez moi. Il y a assez mis long. C'était une heure de direct. Donc les gens, c'est. Je ne peux pas passer. Vu quelqu'un qui m'envoie la demande. Non. Je ne vais pas passer les gens en ligne. Non, je vais faire. Quand je vois la tête tranquille, on va faire une direct. Les gens vont passer en ligne. Les gens vont entrer dans le direct, mais. J'ai vu quelqu'un envoyer la demande là. Non. J'ai vu ta demande, mais j'ai pas envie de faire passer les gens en ligne parce que je suis pas très bien. J'étais juste un petit direct pour valoriser Maman Pépé, pour dire que Maman Pépé, le diamant bleu, sois fier de toi. Sois fier de toi. Tape ta main dans la poitrine. Que tu as tendu la main à une Bambéké. Ouah. Un baranté. Sois fier. Et que à présent, il y a une autre baranté, une tonga, qui se fait fabriquer par ton nom. Sois fier de toi. Parce que ça ne parle pas de toi, elle n'a pas de vue. Ça ne parle pas de toi, elle veut pas, elle veut aussi exister. Mais sa soeur refuse. Parce que sa soeur était incapable de la fabriquer. Donc sois fier de toi, Maman Pépé. Sois fier de toi. Sois fier. Tu es le diamant bleu. Il n'y a pas ton deux. Le diamant bleu. Quand tu donnes, tu tournes, tu ne donnes pas en regardant. Je t'aime avec un seul cœur. Je ne t'aime pas pour attendre quelque chose de non. Je t'aime avec aimer vos prochains. N'attendez rien de la personne. Mais quand vous venez de non, quand vous venez soutenir les gens, quand vous attendez comment vous donnez, c'est ça qui amène les problèmes partout. Mais moi, je ne vois jamais les problèmes avec les gens là. Jamais. Avec ces deux personnes-là, avec ces deux femmes, je ne vois jamais les problèmes avec eux. Même si elle vient, elle m'accroche même en l'eau. Même si la blogueuse, elle vient, elle me dit tout. Elle m'accroche en l'eau. Elle fait ceci. Je ne vais jamais venir là-bas. C'est comme ça que ma nature. Je sais respecter mes aînés. Je sais respecter mes aînés. Et c'est son droit de venir parler. Mais moi, Nicole, je suis mère d'enfant. Je sais ce que je veux. Je suis sur toi, Bibi. Ça ne chauffe pas. Donc, c'est un peu ça. Il y a combien de batailles aujourd'hui? Il y a combien de batailles aujourd'hui? Ouais. Donc, Maman Pépé, ma mère d'amour, sois fière de toi, maman. Sois fière de toi. Sois fière de toi, maman. Sois fière de toi. Sois, tape ta main dans la poitrine, ma mère. Sois fière de toi. Je t'aime d'un seul cœur, d'un amour propre. Toi-même, tu le sais. Toi-même, tu le sais que je t'aime d'un amour propre. Les gens ont dit que oh, Nico va te clasher. Oh, Nico, je ne pourrai jamais mettre ma caméra. Même si tu viens demain, tu me clashes, maman. Même si tu viens demain, maman, qu'est-ce que aujourd'hui tu me dis? Je ne vais jamais me déposer ma caméra. Vous êtes deux personnes, deux femmes sur la toile. Que je ne vais jamais mettre ma caméra pour vous répondre. Vous clashez jamais. Donc, c'est ça, être loyal envers les gens. C'est ça, être loyal. Parce que c'est quelqu'un vrai. Je n'aime pas les gens par intérêt. J'aime les gens par amour. Je n'attends rien de personne. Maman, Pépé, tu sais comment je t'aime. Tu sais ce que moi je t'aime. Donc, continue comme ça. Encouragez le diamant bleu. Ce soir, elle sera en live. On va partager. Et mettez l'argent dans la cagnotte. Soutenons-la. Soutenons-la. Et parce que moi, monsieur, je suis là pour la soutenir. Et vous allez vous voir le mois de juillet. Ça va parler fort. Ouais, Nicole. Mais laissez-moi et pas moi. Ouais, ok. Ouais, vous aimez maman, me manquait. Ouais, vous aimez, vous me manquez jusqu'à. Vous me manquez beaucoup. Hein. On va faire comment, c'est la vie, c'est Facebook, c'est la vie. Donc, merci pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles, merci beaucoup. Abonnez-vous à la page Nicole Bio. C'est ici que maintenant, on va commencer à faire des vidéos. Vous savez que la page principale, la terre ouverte, a été prise par Facebook. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont me donner, mais ils m'envoient le message que je dois remplir certaines choses, mais j'ai oublié tout, mais on ne sait pas. Mais nous sommes maintenant ici, sur Nicole Bio, et n'oubliez pas,
de télécharger l'application TapTap 5 parce que maman Pépé va mettre Orange Money ce soir. Elle va mettre Orange Money. Donc, tous ceux qui sont en Europe, qui ne veulent pas envoyer l'argent par le PayPal, vous pouvez envoyer par Orange Money en utilisant le code promo BIO237. C'est comme ça que vous pouvez m'encourager. Voyez un peu, non. S'il y a 20 téléchargements, il peut avoir quelque chose dedans. Même si c'est 2, n'oubliez pas de m'encourager. Allez télécharger l'application TapTap 5. C'est ça. Et tous ceux qui vont passer des commandes et des perruques, je vais reprendre la vente des perruques, mais pas maintenant. Ce qui est sûr que à la fin du mois de mars, si vous êtes à la fin du mois de mars, pour le moment, je suis un peu occupée. Donc, à la fin du mois de mars, on va reprendre la commande des perruques chez Aïcha Djamela, ma tata d'amour. Voilà. Donc on va reprendre la vente des PE d'ici la fin du mois de mars. Nous allons reprendre. Mais pour le sortir, si je suis sorti aujourd'hui, c'est peut-être venu pour vous donner la valeur à diamant bleu. À ma mère d'amour. Ma mère chérie. Ma mère qui m'a accouché par césarienne. Le cœur pour toi. Tu es une belle personne. Parce que les gens ne connaissent pas. Les gens qui te clashent là. Les Essola et Kento. Sont les gens qui étaient envieuses, les gens qui voulaient manger, les gens qui voulaient te tuer pour prendre la place. Tu es une belle personne. Reste telle que tu es. Ne doute jamais de toi. Sois fier que tu as fabriqué Nicole Kecha. Si on parle de moi, c'est à cause de toi. Parce que tu étais la première blogueuse à entrer dans mon live. Après, ta copine a suivi. Donc, sois fier de toi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous aime, je vous adore, sois béni, merci beaucoup. Donc, maman Pépé, ne doute jamais, sois fière de toi, ma mère, sois fière de toi. Là, on se tout à l'heure, oh, ok, sois fière de toi, ma mère, sois fière de toi. Donc, je lis vos commentaires. Ouais. Ta peur là, écoute combien. Ouais. Plus au moins, ils vont pas encore. Plus au moins, ils vont pas les perruques. Plus au moins, ils vont pas les perruques. Mais ça, c'est Aïcha Djamela. La Star Fashion Police. C'est comment là, ma mère chérie? La Star Fashion Police de Napoli. Maman, j'arrive à Milan. Vendredi. Maman. J'arrive à. J'espère que je vais trouver ma tata Angelo. Angèle, j'arrive à Milan. Hein. Dès que j'arrive à Milan, il t'appelle. Oh. Tu me dis, tu me donnes ta position. Si c'est à Napoli, viens à Napoli. On tombe. Entre, il rentre encore à Milan. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour les perruques, pour le moment, ça, c'est la perruque de Aïcha Djamela. C'est ma mère d'amour. Nicole Chou, excuse-moi. Je ne vois pas comment je vais remettre tes pendules. Nicole Chou, excuse-moi. Moi, je ne vois pas comment toi, je vais remettre les pendules à l'heure. Bah, comment fait ton live? Qui a la queue? Tu sais, il y a quoi? Donc, c'est un peu. Non, Toby, excuse-moi, je n'ai pas envie de passer en. Je pas que les gens passent en live. Donc, c'était un simple indirect pour valoriser le diamant bleu. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis un peu occupé, mon petit. Un autre jour, quand ils ont le temps, on va faire le live. Les gens vont venir intervenir. Mais pour le moment, non. Il n'y a pas la tête à ça pour le moment. Donc, c'est un peu ça. Nicole Chou, excuse-moi. Donc c'est un peu ça. Donc je vous laisse, je vous aime, je vous adore. À ce soir au direct du diamant bleu. Bisous à vous, les gros cœurs comme ça. Les gros cœurs. Ouais, que les gros cœurs comme ça. Merci Lorraine, bon journée à vous. Les gros cœurs comme ça, soutenez le diamant bleu, soutenez-la, elle a besoin de vous. Partagez ses flyers, partagez partout, ça va régner. Il faut que vous envahissez la toile avec les flyers du 27 juillet à Paris. C'est une soirée caritative. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous aime. Je vous adore. À très bientôt. Mettez toujours Dieu dans tout ce que vous faites parce que lui seul me protège. Ciao à vous. Bisous. Ciao.